Veilleux, 4 secondes. Remet à Trabuco. Qu'est-ce qui s'est passé? Gagnon qui est là avec Trabuco. Fournier qui s'en prend, lui, à, je pense, Chagnon. Labbé qui est là avec Kevin Veilleux. Et là, Labbé qui en donne un jab à Kevin Veilleux. Est-ce qu'on va engager le combat? Enfin! Kevin Veilleux qui veut y aller avec Dylan Labbé. Est-ce que Dylan Labbé va jeter les gants pour la première fois de la saison? Et là, on va y aller. Kevin Veilleux qui donne les premiers coups de poing. Bonne réplique de Labbé. Bataille entre les deux joueurs. Labbé qui tente de donner quelques coups. Ça va quand même bien pour Labbé. Veilleux qui riposte. Mais les deux joueurs sont... Et on jase beaucoup. On jase beaucoup. On parle beaucoup sur la fin de séquence. Ça n'ira pas plus loin. Eh bien, Dylan Labbé qui n'a officiellement plus d'amis à Thetford Mines. Et tout ça est parti de l'entrée de zone avec Trabuco. Caron qui n'a pas apprécié. Alors qu'on voit tout ça. Chagnon qui s'est fait donner une poussée par le juge de ligne pour sortir du touch joueur de Thetford. Je sais pas si tu es capable de revoir avant un peu, juste un petit peu avant qu'il commence à se batailler. C'est dur, hein? C'est... Moi, redescend. Ouais, juste là, juste un peu, juste avant ça un peu. Ouais, juste là, parfait. C'est le tir de Trabuco, dans le fond, qu'on n'a pas apprécié. Ça a commencé avec Caron. Veilleux qui est allé voir Dylan Labbé rapidement. Mais tout est parti là, avec Mario Trabuco et Alan Caron. Est-ce qu'on va jouer le 2,8 secondes? Oui.